Cet endroit s'appelle Lumièreville. Comme moi, habite dans les parages. Voyons voir. L'air est tellement sec ici. Le monde s'assombrit de jour en jour. Il reste peu de temps pour le sauver. Et bien que vous veniez juste de vous rencontrer, il sent que vous avez un grand rôle à jouer. Oui. Prétend être un simple fabricant de lampes qui fait de son mieux pour apporter de la lumière dans le monde. Vous avez trouvé un chemin à travers les ténèbres. Vous brillez comme le soleil dans le ciel. Mais allez-vous utiliser ce pouvoir pour réchauffer le monde ou le brûler? J'espère que vous réalisez toutes les bonnes choses que vous pouvez faire avec ce pouvoir. Et à quel point il est facile de le laisser vous dévorer. Mais où que votre chemin vous mène, vous devez vous souvenir d'où vous venez. Le passé illumine le présent. Se demande si vous savez à quel point vous avez influé sur le monde. Votre présence change le cours des choses, telle la lumière qui éclaire dans l'obscurité. L'avez-vous compris au moment de choisir où briller? Dit qu'il peut confirmer, au vu de la façon dont vous irradiez. Se réjouit de voir que vous contribuez à illuminer le monde. Il peut encore être sauvé en grande partie. Quoi qu'il arrive au monde, vous aurez brillé autant que vous le pouviez. C'est le plus important. Dit que vous avez fait le bon choix en vous alliant aux Myriades. Ils achètent de nombreuses lampes. Voilà une tribu qui a foi en la lumière de ce monde. Oh que oui! On ne brille jamais plus que quand on a raison. Il peut voir à la lueur de vos yeux que vous n'êtes pas ici pour parler de vos alliés. Il suppose que vous venez chercher l'illumination. Il vous comprend, étant donné que tout paraît sombre et sans espoir dernièrement. Il sent quelque chose de spécial en vous. Comme si vos destins étaient liés. Ce que vous avez dit, il le ressent aussi. Alors, appelez-le donc comme moi. Il sent que vous êtes comme l'effet mouche, vivant chaque jour comme si c'était le dernier, dans la peur que la tombée de la nuit vous donne raison. Affirme que vous marchez dans des ténèbres différentes, mais que vous êtes guidé par la même lumière. Comme moi, dit qu'il n'est pas seulement amateur de ce qui brille, il aime aussi ce qui scintille. Il suppose que vous n'avez jamais vu une papillette, et dit qu'il est temps que ça change. Bien qu'elle niche près de l'herbe qui fuit, leur éclat ne faiblit jamais. Trouver une papillette vous donnerait la lueur d'espoir dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. Il vous les faut vivantes. Les papillettes mortes perdent leur éclat. Je croise les doigts pour que cet animal continue à vous obéir gentiment.
Le fléau qui détruit la Terre doit être éradiqué. Voilà la grotte aux papillettes. On peut voir beaucoup plus loin dans la lumière. Il y a assez de papillettes pour que son plan fonctionne. Elle veut que vous arrêtiez de vous inquiéter des chemins que vous avez pris pour vous concentrer sur l'inévitable voie qui vous mènera à affronter le Mange-Monde. Le Lapipouf est la preuve de la dualité de l'évolution, incroyablement belle et grotesque à la fois. Elle veut dire que le Lapipouf a eu plus de temps pour ronger la racine comme elle est isolée dans les montagnes de Roulpamousse. De par ces informations,
Elle en déduit qu'elle a subi autant de dégâts que celle se trouvant au nord-ouest, cachée sous la saline. D'aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, on a toujours appelé cette crête rocheuse Rulpamous. Apparemment, les pierres étaient autrefois grises, mais ont changé de teinte avec le temps. Accrochez-vous bien et ne lâchez pas. Ça, c'est ce qui s'appelle piloter un club ski. Pendant la nuit, vous avez l'occasion de passer inaperçu. Thank you.
Laissez-le là. Vous voyez cet électrodéchet ? C'est toujours pratique. Thank you.
Il vaut toujours mieux un sol bien sec. Vous avez trouvé le marais poisseux, où le risque de se faire piéger pour toujours est omnidangereux. Il devrait y avoir assez de paille dans ce range foin pour y trouver la cul-pointe. Ça, on dirait qu'il faut rebrancher les câbles par étapes, en accord avec chaque séquence, pour générer assez de courant pour qu'il se passe des choses. Parfait. Ce réarrangement devrait faire passer suffisamment de courant électrique dans le tableau. La visibilité est bien meilleure de jour. Swish it, crack!
le son de la victoire. Ça doit avoir de la valeur. Trouver cette acupointe, ce sera un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce pourrait être le début de la fin du monde.
Avancez bien en ligne droite. Mettez-vous en route, avant que cette journée ne vous glisse entre les doigts. A entendu dire que vous aviez trouvé le meilleur des planeurs, une arche, et qu'elle est prête à partir. Suppose que oui. Quelle virée fantastique ça doit être. Marrant que vous ayez trouvé une arche quand vous n'avez plus besoin de vous en servir. Le monde sera toujours là. Dans tous les cas, se réjouis de voir que vous pensez à aider avant de vous échapper. Se demande s'il reste des places dans ce fabuleux planeur qu'est votre arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance. Pourquoi ? Tu n'as besoin de personne d'autre que toi et moi, bien sûr. Mais moi, je fais partie de toi, donc ça compte pas vraiment. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il n'y a que les ténèbres dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi, même si tu n'aimes pas m'accompagner. Je te complète. Ha ! On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Le mieux, c'est encore d'être bien accompagné en étant seul. Ton doigt a déjà des frissons à l'idée de prendre place dans votre arche. Trop hâte de planer dans les cieux. Glob sait qu'il radote. Mais il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Un jour, l'arbre s'éteindra. Mais nul besoin de hâter cet événement. Vous congratule d'essayer de faire du monde un endroit meilleur comme il se doit. Vous dit au revoir. Dit qu'il vous retrouvera à l'arche. Il veut une dernière chance de dire au revoir au Glou. Glob sait qu'il radote. Mais il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Espère vous revoir bientôt. Sombre. Noko est toujours partante pour aider. Vous dit de prendre soin de vous.